conseillerais plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre-là. Délaissons un instant les péripéties du championnat de Formule 1 et changeons de rythme pour assister à l'épreuve rétro du jour. C'est l'occasion pour nous de revoir en piste certaines des meilleures voitures de l'histoire du sport automobile et aussi pour les pilotes de montrer au public que leur réputation est bien méritée.
Bravo pour ta performance à l'épreuve rétro. Ça ne te fera pas avancer au classement du championnat, mais ça peut t'aider à asseoir ta réputation. Les feux devraient bientôt passer au vert pour les qualifications du Grand Prix du Mexique. Voyons qui se placera en pole position cet après-midi. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien, je l'espère, oui. La concurrence est rude ici. Et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise. Il en sera tout autre lors des qualifications. Là, il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégué en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. Fantastique, tu es en pole. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Une Mercedes, Leclerc et Sébastien Vettel. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Très beau travail. Je compte sur vous pour renouveler l'exploit durant la course.
Et nous voici à Mexico, où l'ambiance est à son comble. C'est une foule chauffée à blanc qui a envahi les tribunes et la fête risque de durer tout le week-end. Ce pays aime la Formule 1 et il attend beaucoup de ce rendez-vous annuel. Espérons que le Grand Prix d'aujourd'hui tiendra ses promesses. Nous nous trouvons en haute altitude ici au Mexique, ce qui pourrait causer des problèmes de refroidissement tout au long des 4,2 km du tracé. Le circuit propose 17 virages et des pointes de vitesse supérieures à 350 km/h. Des dépassements sont à prévoir au premier et au quatrième virage. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau, le titre est à leur portée, mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. C'est certain, mais la pression s'exerce aussi sur leurs concurrents. Une panne ou une erreur pourrait leur coûter très cher, mais il en va de même pour la concurrence. Espérons que le titre reviendra au plus méritant. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Nous retrouvons Mercedes en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Hamilton, Kevin Magnussen et Weber, Perez, Vettel. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Raikkonen et Alexander Albon, Bottas, Giovinazzi, Devon Butler et Hülkenberg. Kubica, Ricciardo, George Russell et Daniel Kvyat. Norris et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés, fais attention. La vitesse des changements de rapport va être réduite.
On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Avec la voiture qui te précède est de 2,0 secondes. De notre coéquipier est de 5,4 secondes. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums.
pression, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,1 secondes. La fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Ce tour-ci. J'ai tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Impeccable, tu gères bien. Voici l'écart avec notre coéquipier, 22,4 secondes.
l'avant s'est arrêté pour chausser des pneus médiums. D'inscrire le meilleur tour en course. L'écart avec le pilote de devant est de 2,1 seconde. Avec la voiture qui nous précède est de 1,5 secondes. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant.
Non, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ces pneus. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. C'est Jeff, les nouvelles de la voiture. La boîte de vitesse est endommagée, boîte endommagée. Tu vas sûrement trouver les changements de rapport plus lents. L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,8 secondes. Je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste.
Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Je dirais Pierre Gasly. La stratégie de l'équipe s'est révélée payante, mais en fin de compte, c'est au pilote de saisir les chances qu'on lui offre. Il s'en est tiré avec les honneurs. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'auto-tamponneuse aujourd'hui. Vous devez être ravi d'être sur le podium, j'imagine. Comment évaluez-vous le niveau de vos adversaires cette saison ? Ça s'est joué à pas grand-chose entre vous et votre adversaire direct. Vous vous entendez bien avec lui ? Merci pour votre temps.